أعزائي التلاميذ، سعيد بلقائكم في هذه الحصة الجديدة من حصص الدعم المخصصة لتلاميذ السنة الأولى بكالوريا. حصة اليوم إن شاء الله نخصوها لتصحيح امتحان جهوي، ولا يخفى عليكم أهمية تصحيح ديال الامتحان الجهوي في الاستعداد للامتحان. أكيد الاستعداد للامتحان يمر عبر رؤية واحد النماذج كثيرة ديال الامتحانات الجهوية، لكن قبل ما نبداو نبغي نشكر واحد المجموعة ديال الأساتذة والأطر الإدارية، واحد المجموعة ديال المؤسسات الثانوية عبر التراب الوطني في كل الجهات اللي دلوا تلامذهم على القناة وحضروا تلامذهم على القناة، وكاين بعض المؤسسات اللي قاعدة تنشر هاد الإنتاجات ديالي عندها في الصفحة الرسمية. فشكرا لكم جميعا، وشكرا لكم أنتم التلاميذ اللي التحقتوا بالقناة اللي هي من أجلكم، من أجل مساعدتكم، من أجل خدمتكم. نسأل الله أن يتقبلها في ميزان الحسنات إن شاء الله. على بركة الله غادي نبداو بالتصحيح ديال الامتحان الجهوي ديال سوس ماسة 2022 المخصص للأدبيين. Alors, le texte qui m'a dit Valinahna, bien sûr, la boîte à merveilles. Le chapitre 2, la boîte à merveilles, la fin du chapitre 2, très bien, page 30, 37 ou 38. Alors, Galina, le soleil était clair et chaud. Un chat blanc et noir reposait sur le mur et suivait mes mouvements de ses yeux à demi fermé. Je ne m'en approchais point. Le coup de griffe, alors griffe ou al-khamcha, du matou pensionnaire de Sidi Ali Bourel m'avait appris à me méfier. Donc, se méfier, il y a ahtar, des chats qui ronronnent au soleil. Ma mère s'inquiétait déjà de mon absence. Elle m'appelait à la cantonade, à la maison. Je m'engageais dans l'escalier pour redescendre. Quelqu'un montait pieds nus, fien. Les pas mous et le froufrou des vêtements se rapprochaient. Apparut Rahma. Ma mère ne lui parlait plus, plus depuis leur dispute. Les deux femmes évitaient de se rencontrer. Moi, je ne savais pas s'il fallait lui sourire ou me sauver. Je me plaquai contre le mur et attendis que les événements décidassent pour moi. En arrivant à ma hauteur, Rahma s'arrêta, me caressa la joue et me glissa un objet dans la main. Un objet lisse, aimless et froid, bête, mais dont le toucher me plongea dans un bain de délices. C'est pour toi, me murmura notre voisine. Je ne répondis rien et courus rejoindre ma mère qui s'impatientait. L'objet était toujours dans le creux de ma main et dégageait une fraîcheur d'eau de source. Dans un coin de la pièce, j'osais enfin le regarder. C'était un gros cabochon de verre à facettes taillées en diamant, un bijou fabuleux et barbare, provenant, on n'en pas douté, de quelques palais souterrains où demeurent les puissances de l'invisible. Était-ce un message de ces lointains royaumes? Était-ce un talisman? Était-ce une pierre maudite qui m'était remise par notre ennemi pour attirer sur nous la colère des démons? Que m'importait la colère de tous les démons bachayatines, de la terre? Je tenais dans mes mains un objet d'une richesse insoupçonnable. Il prendra place dans ma boîte à merveilles et je saurai, c'est le verbe savoir au futur simple,
découvrir toutes ses vertus. Alors, les vertus, moi, les qualités, les mazaya. Ma mère me trouva dans un coin, dans mon coin. Elle me jeta un regard négligent et dit, encore un bout de verre, fais attention de ne pas te blesser. Et on passe aux questions de l'étude de texte, des questions sur ou là pour 10 points. Première question, recopiez et complétez le tableau suivant. Donc, très souvent, la première question, c'est une question de tableau. Donc, vous le tirez, le mien. La première question, c'est une question, tu connais un tableau. Donc, recopiez et complétez le tableau suivant. Et cette question, ça concerne toute l'œuvre. Le titre de l'œuvre, bien sûr, c'est La boîte à merveilles. Vous avez le nom de l'auteur, c'est Ahmed Safavi, oui, bien sûr, vous le connaissez très bien maintenant. Dans le genre, bien sûr, c'est un roman autobiographique. Et enfin, vous avez le siècle, c'est le 20e siècle. On passe à la deuxième question. D'après votre lecture de l'œuvre, ce texte se situe après la visite de Sidi Ali Bourel, ou là le retour du père de son voyage, ou là la dispute du père avec le Dillel au souk des bijoux. Je crois que le texte est clair, on peut le situer facilement juste après la visite de Sidi Ali Bourel. Donc la visite de Sidi Ali Bourel, où il y a bien sûr la justification, le coup de griffe du matou pensionnaire de Sidi Ali Bourel m'avait appris à me méfier des chats. Donc on a demandé la justification et voilà donc la justification. 3. Pourquoi Sidi Mohamed hésita-t-il à parler à Ahmad? Alesh Tardad. Donc Tardad Bachir Dama Ahmad. Bien sûr, la raison vous la connaissez très bien, c'est parce que les deux femmes, les Lezoubida et Ahmad, ne se parlaient plus depuis leur dispute. Donc les Lezoubida et sa voisine Rahma ne se parlaient plus depuis leur dispute. Même sur la question 4, Rahma montait l'escalier quand Sidi Mohamed descendait. Que lui donna-t-elle? Qu'est-ce que Rahma a donné à Sidi Mohamed? Bien sûr, il lui a donné un cabochon de verre. Le fil serait ou des zèges. Donc, un cabochon de verre, c'est un petit éléphant de verre. Et 5, relevé du texte, la phrase qui montre le jugement dévalorisant de la mère à propos de cet objet offert par Ahmad. Donc, pour Sidi Mohamed, cet objet a une grande valeur. Voilà pourquoi il va le ranger dans la boîte à merveilles. Mais pour la mère, c'est quelque chose qui n'a pas d'importance. La preuve, elle me jeta un regard négligent et dit, un bout de verre, donc pour les Lazouida, c'est juste un bout de verre, fais attention à ne pas te blesser. Même sur la question 6, quel relevé du texte 4 mots relatifs au monde merveilleux, donc 4 mots relatifs au monde merveilleux, un fabuleux, un les puissances de l'invisible, un talisman, un démon, un pierre maudite, etc., etc. Sur la question 7, c'est pour toi, me murmura notre voisine. Transformez la phrase ci-dessus au discours indirect avec verbe introducteur au passé simple. Donc voilà la réponse. Donc, Adna, notre voisine me murmura, c'est le passé simple, que c'était pour moi. C'est le présent, t'es tout c'était. Ou Adna, pour toi, toi t'es tout moi parce que c'est moi qui parle. Même sur la question 8, identifiez la figure de Sid dans la phrase suivante. Je tenais dans mes mains un objet d'une richesse insoupçonnable. Est-ce que c'est une comparaison, métaphore ou la hyperbole? Recoupez la bonne réponse. Et la bonne réponse, bien sûr, c'est l'hyperbole. Question suivante. Comment trouvez-vous le comportement d'Ahmad vis-à-vis de Sidi Mohamed? Justifiez votre opinion. Donc, regardez, malgré sa dispute avec les Zoubida, Ahmad n'a pas manqué cette occasion de voir Sidi Mohamed et de lui donner un cadeau, surtout qu'il était blessé à Sidi Ali Bourel. Donc, c'est une bonne femme, c'est une bonne voisine. Et voilà une réponse. Ahmad a un comportement louable, Mahmoud, Mziane,
car elle n'a pas laissé sa dispute impacter sa relation avec Sidi Mohamed. Voilà, c'est bien. Donc la question 10, selon vous, un jouet peut-il nous éloigner de la solitude? Wesh, l'urba, t'kda, t'khavejna, men, l'uzla, men, l'ouhdaniya. Justifiez votre réponse. Donc là, c'est une question d'opinion et chacun est libre dans son opinion à condition de justifier l'imouhim ou la justification. Voilà une réponse possible. À mon avis, un jouet ne peut pas éloigner notre solitude. Au contraire, il peut nous pousser à la préférer. Donc, il y a des enfants qui s'enfoncent dans la solitude à force d'utiliser leurs jouets. Et on termine avec le sujet de la production écrite, juste pour avoir une idée sur le type de sujet qu'on vous propose à l'examen. Ce sont des sujets argumentatifs, exactement un sujet d'opinion. Alors, certains parents impliquent leurs enfants dans les conflits qui les parents qui les opposent aux autres familles. Qu'en pensez-vous? Donc, dit Debzul quoi? Certains parents impliquent leurs enfants dans les conflits qui les opposent aux autres familles. Qu'en pensez-vous? Voilà, séance terminée. Merci de votre attention. Merci d'être resté jusqu'à la fin. واحد المجموعة كانت رائعة خصوصا في اللايفات تفاعلوا وتعرفنا عليهم من خلال الأسماء ديالهم لأنهم كانوا تكتبوا الأسماء ديالهم. إذا هاد السنة ما نكرهش أنتم تخليو الأسماء ديالكم باش نتعرفوا على بعضياتنا ونعقل على الأسماء ديالكم إن شاء الله. تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء.